Alors, comme vous avez pu vous entendre, le maire nous a fait faux bon, hein, c'est son conseil municipal. Alors, d'après la secrétaire de mairie, ils étaient au courant, ils en ont parlé mercredi. Et d'après la conseillère que j'ai appelée, et que Alain a vu cet après-midi, ils n'étaient pas au courant, ils n'en ont pas parlé. Enfin, c'est vraiment, j'apprécie de la part de la commune. Je vous dis que j'ai les boules quand même. Hein. Donc, bon, on ne parlera pas du maire, mais M. Desroches, entre autres. Merci, M. Desroches. Mais je voudrais remercier le comité des fêtes qui est là quand même, par quelques membres. Son président n'est pas là, pas excusé non plus, mais bon, on a quand même des membres qui sont très. Alors là, pas un gros plan sur le maire, mais gros plan sur le nouveau plateau de Trilaïs de Crécy, qui se compose aujourd'hui d'à peu près 48 adhérents, on n'a pas le nombre exact. Donc depuis maintenant 5 ans, nous utilisons la salle avec les mêmes autorisations du comité des fêtes et des membres du comité des fêtes. C'est avec fierté et plaisir que cette année nous portons le nom du village sur nos maillots. Alors, celle-ci est due à une séparation amicale avec l'ancien club Country Fun 61. Ceci pour des raisons de distance. Pas facile de gérer 100 personnes sur deux sites aussi éloignés. Nous avons donc créé notre club et le plus difficile a été de trouver un nom et un logo. Mais nous y sommes parvenus. La création du logo nous a été offerte par les restaurants Gorda, la banderole par Thierry Rossi, chez qui nous avons fait faire le t-shirt. À ceci s'ajoute aux nombreux sponsors que nous remercions certainement pour leur aide qui servira à acheter d'autres tenues pour le club. Nous remercions le restaurant d'Artagnan, ici, qui est dirigé par Martine, je ne sais même pas son nom de famille parce qu'on l'appelle plus Martine, ici, donc c'est Martine. La société Speedbox à Neuville-Ygoin, société de transport dirigée par M. et Mme Monnier-Christian. La société Valère et Fils à Neuville-Grandchamp, société de véranda fenêtre dirigée par M. et Mme Radel Benjamin. Série Rossi et Tislin, que j'ai. Série Rossi dirigée par Tislin, M. et Mme Tislin-Philippe, et donc les restaurants de l'Escac. Un grand merci à eux pour leur soutien, ça nous va droit au cœur. Maintenant, je voudrais vous présenter mon équipe, sans qui rien ne se ferait. Tout d'abord, celle qui justement s'occupe des finances, Madame Christine Godin, qui n'est pas là ce soir, et Carole Guinet. Madame Guinet, tu viens là? Et puis alors, il y en a qui cherche encore des tonnes de documents. C'est Alain et Lydiane Forêt. Qui font un magnifique travail. Magnifique travail aux serviteurs. Et puis pour finir ce bureau, on a une vice-présidente. Alors tout est voué battant. Et je pense pas qu'il y en a un dans le club qui va nous dire le contraire. Et ce n'est pas les sponsors qui vont nous dire elle les a bien. Donc pour cette présente vice-présidente, Madame Sylvie Ferreira. Ouais. Ça c'est l'administration. Mais à cette équipe, ils viennent greffer celle sans qui il n'y aurait pas de club. Sans elle, pas de cours, rien. Ce sont les animatrices qui font vivre le club, il ne faut pas l'oublier. Ce soir, je leur tire mes chapeaux, mesdames. Car sans plus pas de cours, toutes se sont retrouvées là par hasard, juste pour partager leur passion et apprendre et transmettre ce que d'autres leur avaient appris. Nous avons donc deux animatrices responsables sur l'ensemble du club. Ce sont Nadine Berland et Joël Picard, mesdames. Alors elles ont en charge tous les cours en fait. Elles ont en charge tout ce qui est démo,
C'est elles qui choisissent avec nous aussi, mais les élèves, mais c'est elles qui choisissent les chorés, qui dansent, les tenues nues, l'entrée, la sortie, tout, elles gèrent tout. Et en plus, ils ont en charge le cours des intermédiaires avancés. Pour les cours intermédiaires, les filles de 3 ou 4 années, salut les filles, que je retrouve après 2-3 années. Et les filles, alors ça, je la joue à tous les filles. Les filles. Alors, pour les cours intermédiaires, donc c'est moi qui m'y toque. Celui des novices, c'est notre triplette. Alors, Marie-Claude Pourbeau. Et cette année, j'ai demandé à deux filles de vouloir prendre les débutantes. C'est Danielle Guéry. Ouais. Et Sylvie Ferreira. Ouais. Et bien, figurez-vous, cette année, 27 débutants et débutantes, j'ai pas oublié les noms, débutants et débutantes sont arrivés. Et on vous souhaite bonne continuation et puis beaucoup de travail. Ben oui, les Césars, ils sont où? Ils sont dénominés pour moi. Alors, à vous tous, Tu as là. Ben, je vous dis merci de m'avoir suivi. Oui, merci, parce que sans vous, je ne finirai pas ce discours en alliant un mot pour nos adhérents. Je dirai aux adhérents, merci de nous faire confiance, merci d'avoir choisi merci d'être assidu, ce sera la clé de votre réussite. Merci d'être là depuis 5 ans pour certaines. Merci à nos cow-boys, peu nombreux, nous en comptons 5 sur 48, mais ils sont tellement bien entourés que pour eux, tout se passe merveilleusement bien. Eh bien, à vous tous, bonne soirée, et puis ben, tant pis pour les absents, ils ont tort. Et vive la présidente. Et pour la présidente, il